Donc alors attendez, je vais fermer la porte. Donc voilà. Donc nous sommes aux États-Unis. Le camion dans Farm Simulator. Aujourd'hui, nous allons manier les remorques sont vides. Hein. Je tiens à le préciser, toutes les remorques sont vides. Donc, nous avons décidé de faire une petite vidéo pour ce petit train routier, ce road train, comme on dit. Bon, je dois avouer, c'est pour reculer, c'est, je ne ferai pas de manœuvre en reculant. Hein. Parce que sinon, on termine. On termine. En accordéon et ça ne fait pas en accordéon. Donc là on est à côté de la dernière remorque. Donc voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc voilà, on a fait tout, on a pris tout le parking en fait. Hein. Pour faire court, on a pris tout le parking. Alors du coup on va accrocher ça, on va accrocher ce mastodonte de la route, on va reculer un petit peu, pas trop. Ah je l'ai pas accroché, d'accord. Bon alors ici on va prendre l'arbre parce qu'on va éviter de bouffer le poteau là ici, ça nous ferait mal. Ça me dirait comme ce serpent là, qui tourne derrière nous. J'ai de monter sur la bordure, hein. Désolé, j'ai pas trop le choix. Vous avez bien vous en douter, je vais pas prendre le chemin le plus court quand même. Au contraire, je vais prendre le chemin le plus long. Hop, ici, on va aller à gauche, on va finir lentement hein, parce que ça pousse derrière. Cette remorque ça pousse. Voilà. Ici on va prendre maintenant. On va monter sur le trottoir, tant pis. Hop, c'est parfait. On est bon, 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 on est bon. C'est risqué, c'est risqué. C'est bon, c'est passé. C'est passé. Bon, j'ai retiré le trafic, je sais. Je vais le remettre d'ailleurs. J'ai mis une sauvegarde. Je vais mettre les écouteurs. Hop, donc trafic, oui. Voilà. Alors, regardez là. Ça c'est beau. Je vous avoue que ça m'inquiète quand même, hein. Cette remorque. On va aller les ramener à la ferme, on va mettre si l'eau. Dans le rétro ils sont gigantesques, ça va pas m'arrêter. En tout cas moi je vous déconseille de faire ça hein, les gens, parce que moi je le fais parce que j'ai toujours kiffé conduire un train comme ça, un train routier. Par contre là on va pas monter. Allez vas-y, allez, 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 allez. Ah on montera pas. Non. Il va, il va.
coco. Il y a du mal, hein. Franchement, on a du mal. C'est quoi ça? Ah, je vais avoir du mal à partir. On a bloqué. Non, c'est bon, on repart. Ça va me prendre totalement large. C'est horrible. Bon, c'est bon, on a réussi à monter, c'est parfait. Attention les PNJ, vous allez vite s'il vous plaît. Donc là les gens, on a atteint la capacité maximum comme en Australie. En fait je fais le train routier comme en Australie, je ne sais pas si vous connaissez les émissions. Le maximum c'est 7 remorques. On pourrait en avoir plus, hein, mais franchement j'ai essayé avec 9 remorques, maximum 9 j'en ai mis, c'est pas possible, 9 remorques c'est pas possible. Donc, par contre je sais pas si je tourne là, je sais pas si je vais passer ici. C'est fort serré, hein, non? On tente? Allez, on tente. De toute façon on n'a pas le choix parce que dans tous les cas on va devoir tourner grave, fort serré aussi après dans ce sens là. Je le tente. Je le prends bien large. Et normalement ça passe comme dans du beurre. Voilà. Je savais que ça passe comme ça. J'avais un nouveau pressentiment là. Ah, téléphone. Donc ben voilà les gens, notre trajet s'arrête ici, hein, malheureusement. On n'a pas. Disons que reculer là-dedans, ça va être compliqué. Trouver une solution. Ben non, mais si j'avance, je suis bloqué. Regarde. Regarde. Je passe pas avec le camion. Donc on est dans la marde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demi-tour? Si je monte sur le talus là. Si je déborde le talus, que je fais demi-tour en. Ça va être risqué. Oui. On va tenter une manœuvre risquée, mes gens. On va plier le train.
Wow, je suis en train de retourner les remorques. Bah oui, mais moi aussi, je peux pas t'en faire non plus. J'ai plié le train, c'est pas possible. C'est pas possible, putain, faut que j'essaye de bouger. Ah mais je suis... Eh mais là c'est horrible. Pourquoi je suis passé par là, moi? Je suis trop con. Mais totalement. Oula! Ça se coupe. What? Non! Bon ben voilà. Ça s'arrête là. Ben je suis Keldo. Voilà. Bravo. Super. On voulait faire ça bien. Puis pour finir, on a fait tout ça à l'arrache. Ce que je ferais, c'est qu'au pire des cas, je supprimerai la vidéo. Parce que là, c'est à la rigueur à quoi que. S'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît, monsieur, là-bas dans votre bâtiment, venez m'aider. Non? Bon, tant pis. Bon, bah détachez. Détachez. Non, merde, j'ai rattaché. À personne, aux gens, enfin. On a réussi à faire demi-tour. Ah, enfin. Bon, ben du coup, on va aller. Ben, on va retourner à gauche. Attends. Carte. On va aller à gauche et puis on ira à droite. Enfin, encore à gauche. Alors, il n'y a personne à gauche. Attention, on s'engage. Je t'appelle après dès que je suis arrivé à ma ferme. Ok. Moi je reste en live de toute façon. Dès que je suis arrivé à la ferme, je coupe. Allez, à tout à l'heure. Bon. On a eu un petit souci de remorquage. Mais nos soucis. On a réussi à faire demi-tour. On a forcé le truc. Mais on a réussi. Putain, j'ai vraiment cru que j'allais finir dans la rivière, moi, dans le lac. Putain, c'est horrible. J'ai flippé. Oh putain, j'ai eu peur. Le camion, il t'a fait des sauts. Magnifique. Bon, là, bien sûr, on s'en douterait. Ça monte plus beaucoup. Merci, magnifique hein, le demi-tour. Franchement, il était beau. Hein. Il était magnifique. On y va tout doucement. Il a du mal à grimper, hein, faut l'excuser. Elles sont lourdes les remorques. Hein. Cette remorque, c'est pas. Bon, alors du coup, faut qu'on tourne à la prochaine à gauche. Là où il y a la scierie, on tourne à la prochaine à gauche. On arrive directement à mon champ. On va prendre un trajet quand même un peu plus long pour faire pour tourner avec le train, quoi. C'est tellement beau tout ça.
quand ça finit pas dans le fossé, quoi. C'est ici qu'il faut tourner. Oh, pauvre petit. Je suis même plus un GPS où je casse. Je vais baisser le son du jeu parce que là je remarque que ça va trop fort. Il y a 7 remorques. 7. On a essayé avec 9, mais 9, c'est pas du tout. C'est incontrôlable, 9. On peut pas prendre un seul virage avec 9 remorques. On a le petit pont ferroviaire ici, c'est marrant parce que moi je suis sur route et eux ils sont sur rail. Bande de clampins. Encore un pont. Par contre là j'ai peur que je passe pas, hein, mais bon. Je vais prendre comme ça, mais de toute façon on va passer. C'est un accordéon. Le poteau, bah ouais, j'en serais douté. Hop, on reste sur la voie de gauche. Et voilà, les remorques sont passées. On lève le pied parce que moi je suis à 60 avec tout ça et déjà que je suis fini dans la rivière. Regarde le train là à côté, il trace sa route. Il y a combien de wagons lui? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, toi t'as que 5, moi je suis à 7. Ouais, c'est bien. Ils ont besoin de rails pour rouler à 5 wagons, c'est n'importe quoi. C'est honteux. Clignotant et tout, allez, on fait ça bien. On passe ici, hein. Hein. Bah ouais, ça passe. Regarde. Hop, comme ça. Tac. Là, je monte un peu sur le trottoir. On prend une rue complète. Ah, c'est horrible. Ah, c'est affreux. Ici, bon, ça va être la même, hein. On prend la rue. Carrefour à carrefour, on fait des bouchons. C'est quoi ça le truc rouge là? Wesh les gilets jaunes! Bon, on arrive bientôt à la ferme. La deuxième à gauche, on est à la ferme, donc on va mettre clignotant. Regarde comme c'est bio, c'est magnifique. Bon, grouillez-vous quand même, je vais pas rester au milieu toute la journée.
Il y en a des remorques dans le rétro. À croire que c'est. Je me demanderais bien si c'est des menus ou quoi. Je me poserais bien la question. Ça y est, on voit notre ferme là-bas à droite. On y arrive. On y arrive à notre ferme. Prenez tout doucement. On met. Donc là, la manœuvre elle va être compliquée, mais c'est pas grave. Pas tourner trop sec. Là, on va déborder sur le champ du voisin. Enfin, pas trop sur le champ quand même, on va pas abuser. Hop. Voilà. Ouais, bah tant pis, on s'en roule sur le champ, c'est pas grave, de toute façon ça c'est ma propriété. Ah, je vois plein de petits points bleus qui me suivent là derrière moi. Non, ça c'est la prochaine. Hop. Le silo. Oui, il n'y a pas de silo devant moi, mais il a spawn. Voilà. Il a spawn comme ça, comme par magie. On va serrer à droite. À gauche du coup, j'ai plus ma droite et ma gauche. Alors du coup, si je retire toutes les vaches, hop, on va se garer là. Maïs, bah si je pourrais planter du maïs, mais pourquoi? Et voilà, nos remorques elles sont stationnées. Je les rentre pas, elles restent là, ceux-là. Alors du coup, attends, c'est moi ou? Tu vas pas me dire que j'ai revendu ma grosse remorque? Putain, dégoûté. Donc voilà, petit train roulant, c'est fini. Je vais aller garer le camion maintenant. Je sais même pas si je pourrais accéder au vendeur avec ça, mais bon, on verra bien. Enfin, l'acheteur, le client. Merde, c'est pas là. On va se garer en marche arrière. Donc ben voilà, ça c'est mes palettes, hein. Elles sont bien rangées mes palettes. J'ai tous mes appareils ici. Après je vais aller finir de moissonner mon champ. Voilà le train qui est rangé. C'est vrai que ça fait long. Ah ouais, sale. C'est énorme.
Je marche à côté, regarde. En fait, je me rends pas compte quand je conduis le camion, mais quand je suis à côté, à pied comme ça, mais. Quel mec serait assez fou pour conduire ça, à part moi? Bon, voilà, c'est chargé, enfin, c'est placé. C'est la fin de ce live, voilà. Ciao, à plus, à la prochaine, et on se croisera. Tu rigoles, je veux dire super bien, je suis une merde. Non, je rigole. Donc voilà, prochaine vidéo dans, bah, quand on aura chargé les remorques. Quand on chargera les remorques, on fera une vidéo. Faudra faire demi-tour, revenir dans l'autre sens et puis se placer là. Ça va être compliqué tout ça, mais on y arrivera. Voilà, ciao à plus les gens. Allez, à la prochaine.